Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bon, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. C'est pour la simple et bonne raison que je suis en train de répéter et répéter avec mon talentueux David Shippers. Namasté ou pas. Alors voilà, je suis complètement dedans. On répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. On travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours pour vous préparer un beau spectacle. J'en suis fier. Ouais, je ne sais pas pourquoi ce spectacle particulièrement me touche beaucoup, me plaît énormément. Alors, je dis pas que Bisousqueuse me plaisait pas, évidemment, hein, tu penses bien. Non, non, mais ici, je le sens encore plus construit, encore plus piquant. Oh oui, il y a des passages. Enfin, je vous en dis pas plus, évidemment. Non, non, je suis en répétition. Je viendrai quand il sera fini. Fini, fini de chez fini. Donc, la première, le 16 octobre. Parce que, oui, je serai pas en rodage. Oui, oui, t'as déjà vu ça? T'as des humoristes comme ça, qui vont dans des salles et ils appellent leur spectacle en rodage. Pourquoi? Parce qu'on rôde d'abord le spectacle. Ah oui, tu rôdes ton spectacle. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans une salle, les gens payent leur place, mais tu rôdes. Oui, donc il n'est pas fini. Si, mais je rôde. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore finalisé ton spectacle, il n'est pas encore finalement écrit, il n'est pas encore bien mis en scène, il n'est pas encore joué, répété. Non, tu viens, hop, les gens payent et ils verront bien ce qu'ils verront. C'est ça, oui, oui. C'est bien. Moi, je trouve ça honnête. Ouais, c'est honnête. C'est un peu comme si tu allais dans un restaurant, hein, et tu appelles le serveur, tu dis, excusez-moi, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, la viande, elle est trop cuite. Elle est trop cuite. Les pommes de terre, elles sont crues. Ah ouais. Et les légumes, il n'y en a pas. Pourquoi? C'est parce que je suis en rodage. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur le serveur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est normal. C'est normal. Là, tu accepterais ça. Ah ouais, ouais, le mec, il va te dire, je suis en rodage. Donc, désolé, le plat n'était pas encore fini parce que je ne suis pas encore rodé. Mais une fois qu'il sera rodé, tu pourras revenir manger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et tu peux mettre ça à toutes les sauces, hein. À toutes les sauces, hein. Ouais, taxi, excusez-moi, monsieur le taxi. Ça fait une heure qu'on tourne en rond pour faire 10 km. Ouais, c'est parce que je suis en rodage. Je ne sais pas encore tout à fait par où aller. C'est pas grave, hein. Mais ouais, voilà. Chez les humoristes, il y en a qui osent ça. Moi, je trouve ça un scandale. Ouais, je le dis, je pèse les mots. C'est un scandale. Quand les gens viennent au théâtre, ils viennent te voir, tu dois être prêt, c'est tout, tu n'as pas à rôder ton spectacle. Alors si, il se rôde par lui-même, ça oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui mais Stéphane, entre la première et la dixième, il y a du rodage. Oui, mais c'est quoi le vrai rodage? C'est, j'ai bien aimé, ou j'ai pas aimé, ça peu importe, mais on va dire, j'ai bien aimé, j'aurais peut-être juste rajouté un peu de sel. Tu vois, comme le serveur, toi, c'était super bon, mais je rajoute un tout petit peu de sel. Voilà, ça c'est du vrai rodage, c'est pas changer tout ton plat. Voilà. Allez, sur ce, c'est pour te dire que j'ai de nouvelles dates. Ça y est, on continue, c'est pour ça. Je suis content. Ah oui, je suis allé chez mes amis de l'âne ce samedi. Et il y avait 4-5 personnes qui ne savaient pas ce que voulait dire namasté. Ouais, j'étais choquette. Ouais, j'étais choquette. C'est des amis, c'est des vrais amis. Et des amis éveillés, hein, attention. Je dis, hey, namasté, ça veut dire quoi namasté? Tu plaisantes? Tu me demandes ce que veut dire namasté? C'est une blague? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'ai dû expliquer ce que voulait dire namasté. Alors, namasté ou pas, tu penses bien que j'ai dû passer une demi-heure là-dessus. Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Non. Donc, c'est marrant, hein. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire namasté. Donc, voilà, les nouvelles dates, mon ami. En plus de celles de Thonon-les-Bains, les autres, elles sont déjà complètes, je ne vais pas chaque fois les répéter. Donc, Thonon-les-Bains, le 6 décembre, Bruxelles, au Centre culturel d'Auderghem, le 2 février, à Sessange, au Luxembourg, dans le Centre culturel, le 14 février, à Liège, au Palais des Congrès, le 14 mars, à Clermont-Ferrand, le 24 avril, au Comédie des Volcans, et le 18 juin, à Visé, à la Salle des Tréteaux. Voilà, tu as tout ça. Alors, tout ça, c'est sur mon site. Tu as tout sur mon site. À la fois les informations et les réservations. Tout se fait sur mon site, www.stéphanecuvelier.com. Voilà, ça c'est dit. Mais les nouvelles, puisque c'est celle-là que tu attends aussi, hein, évidemment. Oui. Les nouvelles, le 22 mars 2025, évidemment, le 22 mars à Palisol, à la salle Sauvian. Donc je reviens à Palisol le 22 mars. Et le 26 avril, ma première date en Suisse, c'est à Crissier. Crissier, c'est à 15 minutes de Lausanne, je crois. 15 minutes de Lausanne, 30 minutes de Genève. Enfin, voilà, c'est de ce côté-là. Enfin, toi qui es suisse, tu connais, évidemment. Donc, le 26 avril, à Crissier, à la salle de Chizaz. Je ne sais pas si on dit comme ça, ou Chiza, je ne sais pas. Chiza, ce régal. On va voir la culture. Donc, le 26 février, ça, j'ai... Ah oui, voilà, 15 minutes de Lausanne, 30 minutes de Montreux, 45 minutes de Genève. C'était écrit, autant pour moi, pardon. Et le 13 mai, si vous étiez nombreux à me le demander, j'espère que... Vous allez faire honneur parce que c'est une superbe salle. C'est le Centre culturel
de Namur. Donc je serai le 13 mai à Namur, au centre culturel Le Delta. Magnifique salle. Et, encore une nouvelle date dans un lieu où j'ai pas encore joué, c'est le 18 juillet à Québec. Oui, à Québec, à la scène Le Bourgneuf. Donc, je récapitule très vite. Le 22 mars à Palisole, le 26 avril à Crissier en Suisse, le 13 mai à Namur, au centre culturel, et le 18 juillet à Québec, la scène Le Bourgneuf. D'autres dates arrivent encore. Hein. Oui, il y a Montréal qui arrive encore, il y a Paris qui arrive, il y a encore des dates, le Brabant Wallon qui arrive en Belgique, on est en attente pour des dates en Suisse. Mais voilà, tout ça, vous le savez maintenant. Donc, j'espère sincèrement, vous viendrez parce que, comme vous le savez, ce monde est fou, ce monde tourne en rond, ce monde est fou. Mais j'ai envie de toujours garder ces belles énergies, qu'on les a encore ensemble et qu'on se verra nombreux à toutes ces dates. Parce que comme je vous le savez, donc Charleroi c'est complet, Verviers c'est complet, Mons c'est complet, et les autres dates se remplissent, mais magnifiquement bien. Ah, je suis... j'ai pas de mots, et j'ai pas besoin d'en avoir, je crois qu'on se comprend. Donc voilà, donc venez à Liège, au Palais des Congrès, à Bruxelles, au Centre Culturel, à Clermont-Ferrand, Visé, Cessange, Luxembourg, Thonon-les-Bains, et puis après, hop, en Suisse, à Crissier. Oh, c'est magnifique. Et ça continue. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. J'espère vous donner encore de belles énergies, de belles ondes. J'en ai plein. Je peux vous dire, j'en ai plein. Et je vais vous les donner encore plus sur scène. Et continuer encore sur les réseaux, être présent comme je peux et comme on peut aussi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et on lâche rien dans les zones positives. Rien par rapport à ces salopards. D'accord. On est ensemble. C'est le principal. Mouah. Bisous, kuss. Et namasté, ou pas.